Je récapitule, euh, congrès d'Helsinki, premier contact avec des leaders euh, sibériens qui étaient à Helsinki. Il y a un lien entre les finno-ougriens et des peuples de Sibérie et la Hongrie. Et pour cause, il y avait du chamanisme traditionnel. Euh, 90, euh, deuxième colloque Québec-Russie sur l'aube l'ai mentionné là nous rencontrons ces leaders euh, yukagir tchouk, mélangés enfin ils ont des ascendances multiples et nous faisons nous profitons d'une invitation à yakoutsk d'un grand congrès international de cette nouvelle association qui s'était constituée à Helsinki, une organisation internationale pour l'étude du chamanique, du chamanisme. Et euh, Robert Tamayon était assez actif, euh, des collègues de, de différentes régions du monde, de Corée et autres. Et donc, euh, ça a été un congrès très intéressant qui correspondait à la remontée de la Yakoutie comme république indépendante. Entre-temps, l'Union soviétique... Avait été remplacés par la fédération de Russie, était sortie du système soviétique et les petites républiques et surtout les petits peuples, comme on les appelait, encore que les Yakoutes, c'est plusieurs. Euh, euh, bon, enfin, c'est pas un petit peuple. Les petits peuples, c'est réservé aux peuples très minoritaires autochtones. Mais les Yakoutes ont quand même une république à leur nom et eux voulaient jouer la carte du chamanisme. Comme choisir même le tambour chamanique comme emblème de leur république. Et du coup, ce congrès international euh, flattait quelque part leur identité nationale. Et il y avait beaucoup de chamans qui étaient là, qui se disaient euh, spécialistes en extra Donc, le euh, chamanisme, ça faisait un peu vieux jeu, donc ils se faisaient faire des cartes d'identité. Et ils pouvaient donc donner des consultations et on a eu droit à des consultations offertes. Ils auraient aimé qu'on devienne leurs clients. Et là, on a rencontré donc cette femme ancienne professeure de français qui était ministre de la famille, et, bref, et qui, a, qui nous a pris en sympathie, nous a invités dans sa datcha et donc on a connu sa famille et son mari qui était médecin, qui avait été au Nord, chez les Tchouks, un peu partout. Et on a pu longuement parler, et elle a dit, écoutez, je vais vous aider à surmonter tous les obstacles administratifs, parce que c'était tout récemment que la Sibérie était ouverte aux étrangers. Mais remonter là-bas aux conditions de l'époque, donc fin du régime soviétique, où les transports étaient comme un service public, et donc euh, ne coûtait pas grand-chose. Mais par contre, il commençait, pour les touristes, à avoir deux règles. Les touristes qui payent le prix fort, et les Russes ou autochtones qui continuent à des, des bas tarifs. On achetait une paire de bottes pour 25 centimes, 25 cents, etc., dans les magasins euh, du Nord. Et donc, on a pu profiter de ces transports euh, en avion. On est allé jusqu'à Tchersky. On est allé d'abord chez les Yukagir de la forêt. Euh, on avait rencontré un prof de russe français qui ultérieurement s'est marié une, une Yukagir et qui avait assisté à un petit colloque de fond... enfin une petite réunion de fondation d'une association des Yukagirs de la forêt et, et il en avait rapporté des observations on l'avait rencontré à Perpignan et nous avait donné de très bons conseils et nous avions décidé d'aller voir ce petit peuple et de voir comment il essayait de s'organiser. Il était réduit à très peu, un très petit nombre, à peu près moins de 1500 personnes, réparties en yukagir de la forêt et yukagir de la toundra, éleveurs de rennes. Euh, on a rencontré là ceux de la forêt. Euh, on a rencontré une équipe de Danois, euh, des étudiants danois, dont l'un d'entre eux on l'a retrouvé. Un colloque en Hollande où était Yari Kousten. Il, il avait persévéré dans ses études. Il a fait une très belle monographie sur les, sur les Yukagir, chasseurs. Et euh, il a fait un doctorat euh, à Cambridge, au Scott Polar Research Institute. Et euh, il était très intéressé. Et, euh, il a cité euh, les recherches, justement, sur le travestissement, le troisième genre. Car euh, en Sibérie, euh, c'est un, un sujet re relativement commun et fréquent, même si on l'interprétait euh, tout à fait autrement que l'approche la, un peu plus sociologique que nous avons utilisée ou anthropologique. Et alors, on a remonté ensuite avec donc un, une interprète, professeur à l'université de Yakoutsk, et qui euh, trouvait que être payé euh, comme on lui proposait, c'était quelque chose comme euh, un dollar par jour, quelque chose comme ça, plus, un petit peu plus, s'il nous faisait de la traduction, c'était la fortune. Euh, donc, bon, on lui, a, on lui a demandé, etc. Elle était ravie et elle a été très précieuse. Il y avait avec nous un, un artiste, Kourilov dont le frère aîné était membre, un linguiste qui avait fait un, un dictionnaire, euh, russo ou Yakout, euh, Yukagir, un des premiers dictionnaires, euh, à Yakoutsk. Donc on avait visité ce, ce centre et lui, le linguiste, on l'avait rencontré euh, sur, le, sur le bateau. Donc on avait eu des contacts la première fois avec, avec Laval sur l'OB. Alors il y avait eu ce colloque euh, chamanisme à, à Yakoutsk sur l'ALENA, sur un bateau. Où se trouvait Benoît Robitaille et puis de nombreux collègues. Et puis là, on prépare l'expédition de l'année d'après, 93. Et grâce à cette ministre qui nous a facilité toutes les démarches administratives parce que pas rien, et on avait toutes les lettres tamponnées, etc. On est remonté comme l'auraient fait des fonctionnaires russes remontant visiter ou inspecter. Et à Tchersky, on a rencontré un ancien chaman, un vieil homme, très intéressé, très intéressant. Donc on a pu faire des entrevues avec notre excellente interprète. On a rencontré là aussi un jeune chanteur fabuleux qui avait suivi des cours de chant dans une faculté de Yakuti, j'imagine, et qui en même temps était d'une famille de chamans. Et avait été rendre visite à tous les vieux qu'il connaissait pour réapprendre des chants, y compris des chants chamaniques. Et j'avais obtenu d'une université américaine qui est spécialisée dans la conservation des enregistrements des grandes expéditions, dont la Yézup Expedition, les chants chamaniques enregistrés par Jockelson chez les Yukagir à la fin du 19e et j'avais avec moi sept cassettes. Et euh, je lui ai dit. Alors, il nous a fait quelques chants, alors enregistrés en numérique. Et je lui ai dit Écoute, je vais te faire entendre. Je, vais te, je peux te prêter pour ce soir une des cassettes faites chez les Yukagir par Jockelson il y a plus de 100 ans. Il a écouté ça, il n'en a pas dormi de la nuit. Et il nous dit le lendemain Écoutez, je vais vous faire pour vous. Mais on va s'enfermer un enregistrement en remerciement. J'ai pas dormi de la nuit. C'est fabuleux ce que j'ai entendu là. Et il nous a fait quelque chose avec une voix, mais cent fois meilleur, si je peux le dire ainsi. Mais on l'enregistrait en numérique, imitant les cris des oiseaux, les fameux borborigmes décrits par Jokelson avec la langue des bruits de bouche incroyables et on croyait entendre l'esprit euh, qui s'exprimait, euh, des cris, mais l'oiseau, on sursautait, ça pouvait être un aigle, ça pouvait être un, un goéland, une oie sauvage, le loup, oh, fabuleux. Et on sait, on a appris que maintenant il était chamane. On a rencontré à l'ONU à New York il y a un, un an ou deux, New Kaguir, d'une communauté où nous étions allés et qui connaissait très bien les familles où on était allés, dont la famille de Kourilov. Il a une sœur qui vit à Nelemnoye, enfin bref, dans un petit, un petit village. Et là, on a été accompagnés on a repris un petit avion. Slava, et il Slava. Slava, le, le chanteur, oui. qui a à la fois du sang tchoukch et du sang yukagir. Donc il y a des tchoukchs au nord. De la Colima, côté Yakoutie, même si la Tchoukotka s'étend. Mais il est très connu aussi maintenant comme chanteur ex exceptionnel. Et là, grâce au vieux chaman, il nous racontait comment il avait été formé au chamanisme par un chaman et qu'il avait eu un tambour. Il avait à peu près 19 ans quand le communisme est parvenu dans cette ré région. Et là, ben, il avait fallu qu'il adhère. Il y a eu une répression très forte, surtout. À la période stalinienne, et on a tué des chamans parce que c'était la position dure des soviétiques à ce moment-là. Et euh, il a caché dans la toundra son tambour. Et chaque année, il retournait en cachette pour faire des rituels en l'honneur de l'esprit du tambour et pour faire des petites cérémonies. Et il était ravi finalement de la fin du régime soviétique. Parce qu'il pouvait renouer et on a pu assister quand il nous a emmenés. Il était chef de brigade, il avait été chef de brigade, c'est-à-dire qu'il dirigeait un groupe de nomades euh, multi-ethniques, des tchouks, des yukagirs, lui était yukagir principalement, et des Evenes, mélangés. Et c'était des réseaux migratoires encore très contrôlés. Par... Il restait un sauf cause, c'était la fin des sauf causes, mais il y en avait encore un qui leur donnait leur itinéraire. Et c'était parallèle. À 15 km de là, il y avait une autre migration d'un troupeau qui pouvait atteindre 3000 rennes. Et un hélicoptère accepte de nous prendre. Il devait venir chercher une équipe de botanistes internationaux qui étaient venus quelque part dans la région, qui les avaient payés. Et euh, ils nous ont pris gratuitement. Et euh, ils ont su à peu près à quel endroit on, on devait aller, mais il n'y avait pas de village, rien. Et ils ont trouvé la migration au moment où un corral avait été fait avec 40 traîneaux, euh, mis les uns en bouté dans les autres, pour y mettre les reines castrées, donc, pour les atteler au traîneau, deux par traîneau. Et donc ils étaient en train de les rassembler avec leurs chiens. Et c'était fabuleux. Donc on se serait cru au Moyen Âge. Donc pas un poteau télégraphique, rien, aucune, aucun bâtiment. Et l'hélicoptère nous arrête là, nous débarque et puis s'en va. Et donc on se trouvait avec notre vieux ancien chef de brigade de cette brigade-là que son fils dirigeait maintenant. Et on apportait quelques provisions, des pains, des paquets de margarine. Quelques bouteilles de vin, parce qu'on était au début juillet. On est accueilli à bras ouverts. On avait nos deux interprètes, euh, korilov et puis euh, notre professeur de français de Yakoutie, Et là, euh, ils rassemblent les rênes, ils font mettre les castrats à l'intérieur, et puis deux par deux, ils les attellent. Et euh, dès qu'il y avait 40 traîneaux, et 80 reines dans Catelet. Et là commence la longue marche. Dans la toundra, il n'y avait pas de neige. On voyait à l'horizon l'océan glacial, de l'hélicoptère, on voyait des glaces flottantes, etc. Mais on était quand même à plusieurs dizaines de kilomètres. Et là commence une marche. Donc c'était juillet, pas de nuit vraiment. Et on a marché pendant à peu près 7 heures. Donc, marécageux, moi j'avais des grandes cuissards, donc François n'avait pas des bottes aussi longues, donc euh, ils l'ont installé sur un traîneau, il y avait des enfants, des femmes. Et puis, on se serait cru dans une caravane du Moyen-Âge, sur euh, plus d'un kilomètre. 40 traîneaux, ça ne paraît pas, mais euh, ça fait une très longue file, on laisse un petit écart. Et puis les hommes marchaient euh, un peu devant sur le côté, et puis les femmes pouvaient marcher sur le côté, et puis les enfants, les bébés, etc. Et au bout de au moins 7 heures, on arrive, c'était le milieu de la nuit, mais il, fe, il faisait jour, on était quand même au-delà du sac polaire, et là, ils disent, « Ah, là, la, la, la petite colline, on va dresser euh, les fameuses euh, yaranga, donc ces tentes à moitié, enfin un peu yurte, mais des tentes néanmoins en peau de renne. Et euh, ils, ils établissent cette structure en perche de bois. Tout ça a été transporté sur les traîneaux. Et, euh, mais on nous avait dit euh, à Yakoutsk, n'emportez pas. Euh, on avait quand même pris un petit sac de couchage chacun. N'emportez pas euh, plus que ça. Et donc, on arrive là et puis on découvre qu'ils euh, ont tout. Ils vous fourniront tout. Et puis, ben non, ce n'était pas le cas. Alors, euh, ce qu'on a pu récupérer, c'est un, un sac de couchage individuel en polaire. reine. Alors, euh, je crois que moi, enfin, Françoise euh, a pu y mettre. Et moi, j'ai pu peut-être enfiler euh, le bout de mes jambes. Euh, et puis, euh, bon, avec nos, 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 nos parcas. Mais enfin, bref, on, on se trouvait... Euh, dans une petite tente. Et puis, euh, bon, on a pu dormir, se reposer un peu. Et dès, dès le lendemain, euh, au lasso, ils attrapaient un renne et puis ils décidaient de le tuer pour faire la fiesta. On était, je pense, le, le 13 juillet. Donc, euh, le surlendemain, c'était le 14 juillet. Alors, quand on a, on a sorti des petites bouteilles, on, on dirait, de, de vin léger, un peu sucré, ah, c'était... Et alors, nous... Nos éleveurs de, de Rennes nous ont ébahis en disant euh, la prise de la Bastille, etc. Ils étaient au courant de tout ça. À l'école primaire, on leur enseignait que euh, la France, Napoléon, ils connaissaient le nom de Napoléon, qui avait euh, enfin battu, qui avait pris Moscou, etc. Pour eux, c'était... Et alors, euh, des gens qui avaient... Donc, on, on a assisté, à... après, ils ont tué le Rennes, ils versent de l'eau douce dans la bouche du Rennes. Pour ce que son âme puisse être désaltérée. Et puis euh, la fiesta, alors euh, bon, euh, euh, ils coupent le cœur en petits morceaux, et puis le, le, le sang du reine, et ils font. Une... Alors certains en prennent tout de suite euh, cru. Enfin, bon, bref, on n'avait pas de préjugés pour ça, et on avait faim, et ça a été une joie, et on a pu faire des entrevues. On a appris qu'un jeune garçon de 5 ans euh, avait un don de clairvoyance et qu'il deviendrait chamane. Son grand-père était dans une autre brigade, était chamane et avait décidé de le former petit à petit. Et on a pu étudier les noms, comment les noms se transmettaient. Quand l'enfant vient de naître, on met pour la nuit le bonnet du bébé sous l'oreiller de la grand-mère. Et le rêve qu'elle va faire sera euh, l'ancêtre qui va apparaître, qui veut que son nom, homme ou femme, soit donné à l'enfant. Et toutes sortes de choses. Ils nous ont raconté comment une fois, le frère aîné de ce jeune enfant était parti pour plusieurs jours dans une direction pour aller chercher, je ne sais plus quoi, dans une autre brigade. Et puis, euh, deux jours après, l'enfant pointe le, le doigt dans une direction. Alors tout le monde regarde avec des jumelles, rien. Et une demi-heure après, le grand frère arrivait de cette direction. Donc là, ils ont décidé qu'il avait un don spécial et que ça voulait dire qu'il était appelé à de, devenir chaman et son grand-père allait le prendre en charge pour l'initier. Donc on a collecté plein de... D'étain comme ça, on a bien recensé famille par famille, enfin, on était un peu habitué à faire ça, et puis on a posé des questions. Et là, on nous a parlé eff effectivement du travestissement. Et le, le vieux chaman nous a raconté comment, quand il était jeune un jour euh, dans un campement, euh, il voit sortir d'une yaranga, donc ses grandes tentes de peau, il a cru que c'était sa tante habillé avec un vêtement de femme, une sorte de combinaison chouk et courir vers le troupeau et surtout vers un renne blanc qui était un renne sacré pour lui attacher une petite pochette amulette avec des poils longs du cou d'un renne mâle et ce renne sacré euh, Jouait un rôle important dans le troupeau. Et donc, on a pris des photos de rennes blanches. Il euh, y en avait un dans, dans le troupeau. Et ça me faisait penser aux iraites euh, où il y a des caribous blancs, femelles, et puis des caribous plus forts, plus. Côté euh, couleur brunâtre. Et il nous racontait que c'était en fait un chaman homme qui était habillé en femme. Et puis qui se travestissait pour des rituels, etc. Et pour faire une cérémonie, parce que l'ancien reine sacré était mort, et il fallait en consacrer un autre. Et il nous a appris comme ça plein de choses. On l'a questionné, il a... et Kourilov lui-même, notre deuxième interprète pour le tchoukch, le yukagir et euh, l'éven, nous a raconté que son père se travestissait avec un, un foulard féminin et mettait un plastron féminin. C'était ça le travestissement. Et donc on a pu, dans un autre village, retrouver des vieux qui avaient ces costumes anciens. On a pu photographier les plastrons féminins, masculins. Et on a plusieurs photos qu'on a prises avec ces costumes. Et ça nous éclairait. Sur la forme du, tra du travestissement. C'était des gens pas du tout homosexuels, c'était des gens qui avaient des familles nombreuses, qui étaient mariés. Et donc, à partir de là, on a pu rassembler suffisamment de données et comprendre pourquoi Eliade avait, au moins dans son travail sur le chamanisme, son gros travail, euh, été influencé par l'évolutionnisme euh, marxiste qui disait c'est un reste du matriarcat. Et donc, euh, ça a été un terrain très fructueux. Et avant de partir, ils nous ont surtout supplié de remettre une, une supplique de leur part, des Yukagirs, à l'ONU, où nous nous rendions directement à Genève, au retour de Moscou. Et euh, on a longuement parlé avec eux de ça, et nous avons pu présenter à, en plénière de ce groupe de travail, on a lu la supplique des Yukagirs en leur nom demandant de l'aide, ils se sentaient menacés et surtout qu'il y ait une reconnaissance parce que les pouvoirs publics voulaient les assimiler à un autre groupe, plus nombreux, pour différentes fins. Alors que jusque-là, ça a changé depuis, la nationalité, le groupe ethnique d'origine était mentionné sur l'état civil. Et il fallait qu'ils luttent même pour pouvoir récupérer des enfants. Et qui a, à la naissance avait été mis sur un autre groupe parce que les Yukaghir étaient plus nombreux, on pensait qu'ils disparaîtraient. Et donc euh, on a rempli ce rôle. Et donc il y a eu là comme un échange et euh, l'accueil a été formidable. On avait apporté des petits cadeaux, des petits couteaux Opinel euh, pour des petits, pour les chasseurs des aiguilles et des petits ciseaux de couturière pour les femmes. Et la tradition est très forte, on ne vient pas les mains vides. Mais on ne repart pas non plus les mains vides. Et on, on a encore des petits restes ici à Paris et autres qui viennent, euh, une queue de cheval yakoute euh, qui servait à faire partir les moustiques ou même dans certaines cér cérémonies. Bref, euh, en dépit de 70 ans de communisme, il y a encore tout un vieux fond très présent dans, chez ces peuples. Donc pour nous, ça a été une étape très importante avant d'aller à Genève et avant d'aller en Amazonie un peu plus tard.